Magellette. Spaces. Rencontre. On vient de clôturer deux jours de travail d'un dialogue structuré entre l'Union européenne et la société civile du sud de la Méditerranée. C'est la première fois où c'est les organisations de la société civile qui ont pris en main le destin de ce dialogue dans le cadre d'un projet Majalat. Nous avons eu un débat qui est bien avancé sur des thématiques concrètes sur les relations de libre-échange entre l'Union européenne et les différents pays, que ce soit régional ou bien bilatéral, sur les questions de sécurité qui deviennent de plus en plus importantes et menaçantes dans la politique européenne, sur le flot migratoire, sur les questions de la gouvernance et les rapports entre les politiques européennes et tout ce qui se passe en termes de corruption, c'est-à-dire la corruption systématique, hors systémique, qui est due à cette forme de coopération et d'échange. Et donc Majalat a un défi entre les mains important. Et pour ce faire, il y a eu une convocation d'un échantillon important de sociétés civiles des deux rives de la Méditerranée, avec comme nouveauté une vraie parité homme-femme et également une part très significative de jeunes. On a là, autour de nous, vraiment des nouveautés, un vent nouveau, un discours nouveau, un style nouveau. J'espère que ça sera développé parce qu'on a ce projet-là 3 ans. Donc l'année prochaine aussi, il y aura Séminaire Forum et d'autres forums du Sud. J'espère que ça s'améliorera et qu'elle va prendre les provocations de la société civile Nord-Sud. Avançons-nous et essayons de trouver des solutions représentatives de notre société. You, the civil society, have an important role to play. It's about pushing for equal opportunities. It's by holding governments and donors to the highest possible standards of good governance and by insisting on core labor standards. Your work is essential for your own countries, but also for us, and an essential part of our long-term commitment to the development of the region. Quella nave che va da sempre, navigando tra nord e sud, tra l'oriente e l'occidente, e nel mare delle invenzioni, quella bussola per navigare, la pinta di Santa Maria, e il coraggio di quei marinai, quel viaggio che non smette mai, che il Mediterraneo si...